Merci. T'es gentil, t'es sympa, j'aime ça. Merci. Donc, continue comme ça et tout. Donc, si besoin d'un inverse, on va renverser puis nous. Voilà, toi, course. Et on est en route pour Tokos. C'est moi qui fais l'ouverture aujourd'hui. Jamanie est juste en train de me déposer. Après, il va rentrer se reposer. Fatigué, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix. Franchement, déjà, vous avez l'habitude de m'entendre dire que je suis fatiguée. Mais là, vraiment, je suis fatiguée. Hier, en plus, il y avait une abonnée qui était passée avec toute sa famille, Christelle, avec sa maman. C'est son anniversaire. Elles ont bien mangé, elles ont aimé. Franchement, ça fait trop plaisir de vous voir venir et tout. Franchement, je suis contente. Qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra faire un meet-up chez Tokos, on ne sait jamais. Il est malade. Mais bon, on y va et on se voit tout à l'heure. Bisous. Four hours later. James nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite. Si, c'est toi, James. Ça qui est de Teletubbies là. En attendant que James y voit son bébé, je vais réchauffer mon réchauffeur. Ici, nous avons les stripes. C'est mes travers de port. En fait, c'est pas tout, c'est la moitié parce qu'ils sont quand même assez longs. Ils sont jusqu'à là, en fait. Genre, c'est tout ça. Mais j'ai juste pris la moitié parce que je voulais pas tout manger. Ici, j'ai, je crois, les samoussa. Ouais, mes samoussa au bœuf. Trop bon. Homemade, les gars. Homemade. Et là, je crois que j'ai mes bananes gratin. Voilà, par contre, j'ai oublié de prendre la mayonnaise parce que j'ai pas de mayonnaise à la maison. Hello! On est mercredi. On est au décathlon avec la marraine de James. Depuis tout à l'heure, elle fait la gueule parce qu'elle a dit que ses cheveux s'achètent de la nourriture. Donc, on va la chercher des collants pour moi. Ah, tu te moques de l'enfant qui est tombé. Ah, t'es pas gentil, hein. Ils sont les collants là. C'est pas là-bas que les dents. Donc, on va chercher des légumes en fait pour le restaurant parce que je trouve que c'est tellement plus facile de travailler avec un légume ou bien de porter. Mais là, c'est d'Oceane, ça va. Au lieu de porter toujours mes jeans, après, se salir, se remplir de bouffe et tout. Flemme. Mon fameux légume. Toi, t'as mis ça? Yeah. Mais tu m'as dit que c'était 7 euros? Ah, des euros. On s'est dit, 10 euros, c'est pas 7 euros? Oui, Ils ont monté le prix à cause de moi. C'est une habille, on prend son. Et ça, j'aime bien, par contre, c'est bien stretch. Regarde, on s'en vit plus de. Ouais, j'avoue, c'est 24 balles. Mais c'est toujours mieux que les leggings du Zeman. Allez. C'est ça que toi t'as pris? Ouais. Ma digresse, oh, comme moi. Ouais, j'avoue, c'est la même chose. Zohir zig, dani zohir zigresse. Et Nicolas James, qu'a caillou? Ma, that's Anders. That's James. What? That's Anders. That's James. Toi, t'es quoi? On a. Mais j'étais pas en train de découper, mais ça là qui déconcentrait ma verre. Attends,
Re, j'espère que vous allez bien. Et ça fait super longtemps que je me suis maquillée, ça fait grave bizarre. Waouh. En fait là, j'ai épilé mes sourcils et j'ai rajouté du henné. Je voulais aller chez quelqu'un pour le faire, mais moi je me suis dit, je peux le faire toute seule. Et je l'ai déjà fait dans le passé plusieurs fois, donc why not. Aujourd'hui, je vais aller en route pour Tokos. Je vais travailler. Normalement, les mercredis, je ne travaille pas, mais exceptionnellement, ce mercredi, je vais travailler. Parce qu'on va recevoir des invités très spéciaux. Il s'agit des artistes congolais. Je vous laisse deviner. En tout cas, mettez pause et écrivez dans la barre de description si vous pensez que c'est qui. Et donc, c'est des artistes comédiens qui sont de passage à Bruxelles. Et j'ai profité de l'occasion pour faire une collaboration avec eux. En fait, les invités mangent au restaurant. Et je ne voulais pas juste les inviter comme ça, etc. Je voulais quand même marquer le coup. Parce que je trouve que malheureusement, dans notre communauté congolaise, les artistes ne sont pas vraiment mis en avant. Et donc là, je vais aller les acheter des bouquets de fleurs. Je voulais aller chez le fleuriste, mais malheureusement, il est déjà 19h20. Donc, c'est trop tard. Je vais juste aller au supermarché qui est à côté de Toko. Je vais prendre des bouquets de fleurs. Je ne sais pas si je leur offre aussi du chocolat, je ne sais pas, mais bon, un bouquet de fleurs, une petite carte où je vais écrire un mot en mode merci, etc., etc. Je pense que ça va leur faire plaisir et c'est des choses qu'on voit généralement, je ne sais même pas si on voit même, si j'ai déjà vu quelqu'un offrir un bouquet de fleurs à un artiste congolais. Non. Mais bon, je ne vais pas faire genre je suis la première à faire ça. Mais bon, en tout cas, je tenais vraiment à les recevoir ainsi et je pense que ça va les mettre à l'aise aussi. Donc ouais, parce qu'elles ne savent pas à qui elles ont affaire. C'est vrai que j'ai eu à parler avec leur manager. Et à un moment, j'ai dû parler directement avec elles, en fait, pour régler la rencontre, quoi, comment ça va se passer, etc. Tout ce qui est rémunération, patati patata. Alors que dans la norme, normalement, tout passe à travers le manager. Mais bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'elles vont venir. Et donc, ouais, je suis grave excitée, quoi. C'est deux artistes que j'aime bien. Et oui, ça va... Voilà, quoi. Assez parlé, il est déjà 19h21, je vais prendre la route et partir. Bye! Alors, je suis avec mes stars. Mes stars, filles de ouf, en personne. Et madame Aïda, en personne aussi. Alors, ça vous fait quoi de venir chez Tokos? C'est bon? Ouais, c'est Tokos. Tokos. Il y a le manager à côté, mais bon, il souhaite garder l'anonymat. On va respecter. C'est Tokos. C'est Tokos. On mange en mode Tokos. En mode Tokos. Venez nombreux ici, hein. C'est la classe. C'est la qualité. Tu bien manger. Et ensuite, on te donne quoi, ça? Les fololo, franchement. Vraiment, depuis Belgique, on a pu s'y nos fololo, vraiment. Tokos. Parce qu'on t'a pas si. Vraiment. Même les gens qui t'a pas si n'a fait un peu. Le homme n'a pas si. Le homme n'a pas si. Les gens qui n'a pas si. Bon, tu peux manger, tu peux boire. Si on te fait pas ça, c'est pas la tension. En fait, tu peux faire tout. Faut que tu appuies sur attention. En tout cas, tu as attention. Il y a mal à vous. Depuis, tu as tamboli tourné au Mobimba. Tu as besoin d'un restaurant. Tokos. Anvers. En tout cas, restaurant Tokos en Anvers, ça veut dire Anvers, Nyonso, Obolinganga. N'a pas Obolinganga, venez manger ici, venez aussi déguster. Hein? Mm-hmm. Au niveau, ah, je vous jure, non. Nulle part ailleurs, combo pende banani na makambo tokutia. Tokos. Mon deux ans, on va bien, mon côté, on va bien, l'eau se belate, on va bien, on va bien, mais on a Tokos, Nyonso, et ça. Tokos. Parce que, bah, attention, Niki, c'est là que, na l'autre à Tokos, na liaki na Tokos, na mbetiboui. On vient de manger et tout, mais, na ou me la sikoyo, cocktail, y'a Tokos. Vraiment, c'est bien, merci beaucoup, grâce. De rien. T'es gentil.
Merci. T'es gentil, t'es sympa, j'aime ça. Merci. Donc, continue comme ça et tout. Donc, si vous en avez un verse, on va renverser puis nous. Oui, la tocos. Vraiment, tocos, ma casse. Ouais, tocos, na tocos, hein. Mm-hmm. On est là. Nengi mango sushi et ça l'agaba mon à Bolumbu. Le loa na tocos, ça va, y'a ma chal call. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il était 1h10. Franchement, la journée s'est passée super bien. La visite des stars aussi, franchement, c'était super sympa, grave bonne humeur. Vraiment, on voit les gens à la télé, elles sont vraiment comme ça. Après, c'est vrai qu'au début, elles étaient un peu timides et tout. Mais ensuite, je les ai mis à l'aise. C'était vraiment bien. J'ai kiffé. Et après, je les ai fait une petite visite, pas de la ville et tout, parce que faisait déjà tard. Mais là où on est, en fait, là où est situé le restaurant, c'est vraiment un endroit touristique où il y a beaucoup de gens qui passent. Je les ai un peu fait visiter vite fait. Mais c'était bien, franchement, très bonne ambiance, même leur manager et tout, super sympa, vraiment rien à dire. Rien à dire, on parlait, on rigolait comme ça, on se connaissait depuis longtemps. Bah après, c'est ça le point fort des artistes, hein. Ils peuvent. Et s'adapte facilement aux situations. Je pense que si la personne en face les met à l'aise aussi, ils seront à l'aise. Mais si toi, la personne en face, tu les mets mal à l'aise, bah, ouais, ils seront mal à l'aise comme tout le monde. Hein. Mais sinon, c'était bien. Franchement, très bien. On a fait un TikTok. On a fait quelques vidéos où elle parlait du restaurant, de à donner leur avis, etc. Et franchement, c'était bien. Attends, je te chauffe ton nom. Monsieur James, il faut avoir de la patience, mon ami. Voilà, vite, faites patience, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas prendre ton bain? Regarde, maman, je te mets tes jolis joujoux. Regardez ces petits jouets. C'est la dame qui nous a fait le gâteau de notre mariage qui le regarde. Donc, Iona Pâtisserie, si tu regardes ce vlog, regarde les jouets que t'as acheté à James. Il les utilise et franchement, il aime trop. C'est chaud. Hello guys, nous sommes quelques jours après, on est dimanche exactement. Le week-end c'était chaud. La lumière, je sais pas si vous voyez bien. J'aime pas la lumière ici, c'est moche. C'est jaune. On est quelques jours après dimanche exactement. Franchement, j'ai même pas pu. Enfin, même si je voulais vous loyer le samedi, en fait, ça allait être pas possible. C'était le rush, pas possible. Il y avait beaucoup de monde. Après, je ne peux pas me plaindre. Hein. Gloire à Dieu, c'est ça qu'on veut, qu'il y a beaucoup de monde. Et là, on est dimanche, on va faire la fermeture. J'ai fini d'arranger la cuisine. La journée qui passe le balai au couloir de la cuisine. Enfin, là, on fait la vaisselle. Et après, on va rentrer à la maison. Heureusement que demain, ma petite soeur, elle n'a pas école. Comme ça, James, il va rester là-bas jusqu'à lundi.
Bon, il va rater un jour de crèche, mais vaut mieux ça que repartir encore chez ma mère. C'est un peu loin. Je disais, vaut mieux ça que repartir encore chez ma mère parce que c'est un peu loin. On est fatigué. Demain, tous les deux, on travaille. La vie d'entrepreneur, c'est pas facile. Ça va? Tu reverrais tout? Qu'est-ce que je vais dire? Je t'ai mis de l'eau chaude pour ici. Tu m'as demandé de l'eau chaude, ça a déjà chauffé, je crois. Là, je vais changer. On vient mon tablier. Pardon. Je suis fatiguée. Là, je vais changer de mon tablier. Je vérifie, j'ai rien mis dans les poches. Regardez nos tabliers comme ils sont mignons. Là, il y a la jolie demoiselle. Tout le monde pense que c'est moi, mais en fait, c'est pas moi. En fait, c'est juste une coïncidence. On a pris une personne qui me ressemble, mais c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Et des fois, j'en profite, je dis oui, c'est moi. Parce que là, le mec qui est ici, il ressemble à Boston. Mais c'est pas Boston. Vous voyez? C'est vraiment lui, en fait, s'il le ressemble trop. Donc voilà, je vais prendre mes clics et mes claques. Et finalement, je ne vous ai pas montré le résultat final des collants que j'ai achetés au Decathlon. Franchement, ils sont dégâts. Ils sont trop bien, je suis trop contente. Franchement, Dieu merci pour la marraine de James qui me donne des bons conseils vestimentaires. J'allais acheter les vieux collants du Zeman. Attendez, je vous montre. Regardez le collant. Il est trop bien. Maintenez le travail. C'est bon? We did go now. On n'a rien oublié dans la cuisine. J'étais juste venue en salle. Eh, mon salle, je devais plus travailler.